plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief sur Median. Merci de nous rester fidèles. Au Burkina Faso, en raison de fortes tensions sécuritaires, 22 provinces sur 45 ont instauré un état d'urgence dans le nord, l'est et l'ouest du pays. La situation reste volatile au Burkina avec des alertes sécuritaires régulières. En s'adressant à la nation, le président de la transition, le colonel Ibrahim, le capitaine Ibrahim Traoré a salué une relative accalmie dans plusieurs localités, tout en affirmant qu'en 5 mois, l'armée était parvenue à désorganiser le dispositif ennemi. Le Burkina a-t-il fait une avancée considérable dans la lutte contre le terrorisme? Des éléments de réponse en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, nous irons en République de Guinée où différentes mesures visant à restreindre les libertés d'expression ont poussé les organisations de presse du pays à se faire entendre à travers différentes actions de protestation, des décisions qui ont fait suite à la menace du porte-parole du gouvernement de fermer certains médias, au blocage des réseaux sociaux, à la restriction d'Internet, au démantèlement par effraction de certains organes de presse. Ces protestations ont conduit les autorités de la transition à rétablir la situation à la normale. Quel impact de l'unité de la presse pour la préservation des libertés d'expression et d'information? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, Monsieur Cheikh Sadibou Ndiaye, vous êtes spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vous remercie, Daoud. Et en face de vous, un confrère, M. Bamba Soleil Baba, vous êtes journaliste et responsable également de la plateforme en ligne Top Kilo News. Merci également d'être là avec nous. Merci pour l'invitation et je salue aussi les téléspectateurs de Midi 1. Et merci également, nous vous saluons aussi et vous remercions d'avoir une nouvelle fois répondu présent à notre invitation. Cher, depuis quelques années, le Burkina est la cible des attaques terroristes. Des stratégies de lutte contre ces groupes se multiplient, mais les attaques peinent à faiblir. D'abord, quelle analyse faites-vous aujourd'hui de la situation sécuritaire dans le pays? Oui, donc par rapport au Burkina, pour faire une analyse par rapport à la situation sécuritaire que vit ce pays-là, je pense qu'il faut faire une analyse globale de ce phénomène de terrorisme au niveau du Sahel et même au niveau international. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest est en train de devenir le bastion pratiquement du terrorisme. On sait que l'Afrique est le continent le plus touché actuellement par ce fléau-là qui est le terrorisme. Et le Burkina Faso est en train vraiment de partir de ce phénomène-là. Maintenant, on sait que depuis aussi l'arrivée du capitaine Traoré, il y a des politiques qui ont été mises en place pour lutter contre ce terrorisme-là. Le terrorisme est un phénomène qu'on ne peut pas définir de manière dogmatique ou de manière structurelle au niveau international, mais il faut mettre en place peut-être des systèmes qui vont vous permettre de vous adapter par rapport au mode d'opération qu'opèrent ces terroristes-là dans votre pays. Et depuis l'arrivée de capitaine Traoré... Et d'ailleurs, à cet effet, le capitaine Traoré, actuel président de la transition burkinabé, a fait savoir qu'ils ont désorganisé, en tout cas l'armée burkinabé est en train de désorganiser le dispositif de l'ennemi, à savoir les groupes terroristes. Effectivement, pour appuyer ce qu'a dit le capitaine Traoré, c'est quelque chose de palpable. Parce que depuis qu'il est à la tête de ce pays-là, on a vu qu'il a fait un couvre-feu qui vraiment concerne beaucoup de provinces, 8 régions. Ces 8 régions-là, c'est pratiquement 22 provinces. Sur les 45. Donc, il a demandé aussi à la population de participer, de faire un effort par rapport à cette lutte contre ce terrorisme-là, à s'engager auprès de l'armée, mais aussi en servant d'informateur, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, on a vu qu'il y a un pragmatisme burkinabé qui est en train d'être mis en place et qui est en train de porter ses fruits. Aussi sur le côté matériel, sur le plan militaire, on a vu ce pays acquérir beaucoup d'armes, beaucoup d'engins, des drones, des missiles, des armes tactiques qui vont le permettre vraiment de suivre le déplacement de ces terroristes-là. Parce qu'on sait qu'actuellement, le monde, pour contrôler pratiquement ces phénomènes-là, il faut être à un top niveau, au niveau informationnel. On sait que le Burkina est en train de se doter de moyens qui vont lui permettre de pouvoir poursuivre et chasser pratiquement jusqu'au dernier tranchement ces terroristes-là. Et d'ailleurs, dans cette stratégie, ils sont accompagnés aussi par d'autres pays frontaliers comme la Côte d'Ivoire ou bien le Mali, qui essaient également d'appuyer le gouvernement de transition dans cette lutte contre le terrorisme. Et Monsieur Baba, dites-moi, selon vous également, avec tout ce que vient de relater Cheikh et la situation également dans le pays, à savoir au Burkina, constatez-vous des avancées considérables dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans le pays?
Oui, je peux dire oui et non. Pourquoi? Parce que dans ces phénomènes-là, nous ne sommes pas tellement organisés. C'est pour cela qu'il y a les attaques. Aujourd'hui, les gens meurent toujours, continuent à mourir. Et donc, je peux dire que non, depuis l'insurrection populaire du 30 au 31 2014, en 2014, octobre 2014, et la transition consécutive politique, et ainsi que aussi et la nouvelle formule de la démocratie burkinabé. Bon, le Burkina est confronté à un immense défi sécuritaire. Et je pense que oui, comme... D'ailleurs, une bonne partie du territoire était entre les mains de groupes terroristes. Voilà, effectivement. Donc, ce qui fait que d'abord, un pays qui est bien organisé, je peux parler de, bon, comme, par exemple, la politique de défense. Donc, il faut qu'il y ait une bonne politique de défense. Et quand il y a une bonne politique de défense, je pense qu'ils vont y aller, comparément, ainsi que d'autres pays africains. Mais la politique de défense, nous constatons que nos armées, comme par exemple au Burkina, le départ de Blaise Compaoré a subdivisé l'armée. Je pense que peut-être actuellement, ils se sont organisés. Deuxièmement, quand il y a la politique de défense n'est pas bien structurée, il y a l'insécurité publique. Après l'insécurité publique, nous ne pouvons pas oublier l'insécurité sous-régionale. Parce que le pays, nos villages africains en souffrent. Et quand on parvient à arriver à un département, on sécurise une partie du département, on dit que tout va. Je ne suis pas d'accord sur ce point-là. Et aujourd'hui, l'actuel président de la transition, le capitaine aujourd'hui Traoré, est-ce qu'il n'est pas aussi en train de réussir là où ses prédécesseurs avaient peiné, par exemple le colonel Damiba ou bien le président démocratiquement élu Roch Marc Christian Kabore? Est-ce que le Traoré n'est pas en train de réussir là où ses deux prédécesseurs avaient peiné dans le cadre de la lutte contre le terrorisme? Oui, dans la vie, il y a le monsieur est en train de fournir quand même un effort. Mais cet effort-là, ça, c'est une longue haleine. Vous comprenez? C'est une longue haleine. Pourquoi? Parce que si je parle de ça, et nous sommes en train de parler de la lutte contre le terrorisme aujourd'hui, si ce que je venais de citer en amont, si ce n'est pas bien structuré, la menace terroriste et le risque d'enlèvement sera très très élevé sur le territoire. Donc, je vais revenir pour chuter en disant que le capitaine Traoré a beaucoup du travail et on l'en félicite sur ce qu'il est en train de faire, mais il n'a même pas encore traversé même les tiers dans tout le Burkina. D'autant plus qu'aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme est une lutte assez asymétrique, mais la réorganisation de l'armée dont vous parliez tout à l'heure fait partie aussi des chantiers qu'il a entamés présentement. Cher, qu'est-ce qui justifie qu'un pays comme le Burkina aujourd'hui soit depuis plusieurs années dans le collimateur de ces groupes terroristes? Est-ce sa position géographique dans le Sahel ou bien y a-t-il d'autres raisons? Certains souvent assimilent la situation au départ de Blaise Compaoré. Donc, selon vous, qu'est-ce qui explique que ce pays soit aussi exposé au collimateur des groupes terroristes? Effectivement, il y a plusieurs raisons qu'on peut citer. D'abord, par sa position géostratégique. Mais ce qu'on oublie toujours, c'est que le Burkina a connu une période de stabilité sous Blaise Compaoré. Mais les printemps arabes ont déstabilisé pratiquement le Sahel. Donc, à l'image du Burkina, le Mali et pratiquement tous ces pays-là qui se trouvent au niveau du Sahel. Et on sait que le Burkina aussi est pratiquement au centre du Sahel. Donc, c'est un pays qui est traversé par plusieurs vraiment zones, plusieurs routes qui mènent vers la Libye ou d'autres pays, j'en passe. Donc on sait que ce pays-là est au centre de ce phénomène-là. Du moment où on déstabilise le Sahel, du moment où des groupuscules s'emparent d'armes venant de la Libye, ces groupuscules-là ont eu les moyens de pouvoir entrer au Mali, entrer au Burkina et aller frapper à d'autres portes pour essayer de déstabiliser ces pays-là. Maintenant, en Afrique de l'Ouest, on n'avait pas une politique sécuritaire vraiment définie par nos États. En Afrique de l'Ouest, chacun y allait de son côté. Mais à un moment donné, les chefs d'État se sont rendus compte de la nécessité de s'unir et de définir une politique sécuritaire qui va nous permettre de s'en sortir. Sinon, ce qui se répercute au Burkina va se répercuter au Mali ou dans d'autres pays. Et c'est le même cas. Peut-être chez nous au Sénégal, c'est des problèmes politiques. Et même par rapport à cette situation, on a constaté aujourd'hui que de plus en plus cette menace progresse du Sahel vers le golfe de Guinée. Même dans cette région du Sahel, des problèmes diplomatiques existent entre certains pays, surtout depuis l'avènement des coups d'État militaires. Mais est-ce que ces incidents et autres problèmes diplomatiques entre pays du Sahel également ne risquent pas de davantage rendre difficile la lutte contre le terrorisme dans la zone? Effectivement, ça risque de rendre cela difficile. Mais il faut un sursaut patriotique, un sursaut vraiment de la part de nos dirigeants là, pour carrément
vraiment essayer de se départir de ces sanctions qu'on essaie d'imposer, peut-être au Mali, au Burkina et à la Guinée. On a vu avec la CEDEAO ce qui s'est passé. C'est pourquoi on a vu même le Mali, le Burkina et la Guinée essayer de faire union par rapport à certaines choses. Mais ce qui est clair, c'est qu'au niveau du Burkina, les autorités sont en train peut-être de mettre en place un système qui est en train d'être efficace par rapport à cette lutte contre le terrorisme. Certes, il y aura des dégâts collatéraux, il y aura des problèmes qu'ils vont rencontrer en chemin. Mais il est important de les accompagner, que la communauté internationale, que l'Union africaine et la CEDEAO puissent essayer de se mettre autour d'une table avec ces autorités-là, essayer de voir est-ce que ce modèle burkinabé-là qui est en train de s'appliquer, qui est en train de vraiment faire des prouesses, ne peut pas être de manière africaine, être débattu, être préparé pour essayer de l'appliquer peut-être au niveau du Sahel. Parce que ces pays-là qui nous fournissent, qui nous disent qu'ils vont nous aider à coups de milliards de dollars, les États-Unis, la France et tout, on sait que ce financement-là tarde. Et on sait qu'en Afrique, si ce financement tarde par rapport à l'achat d'armes de la part de nos États, ça risque gros, ça risque de laisser vraiment ces terroristes-là d'avoir une progression. Et d'ailleurs, cette question des financements avait plombé également le bon fonctionnement du G5 Sahel qui réunissait ces cinq pays-là aujourd'hui qui ont en partage cette zone qu'est le Sahel. Et M. Baba, par rapport à la lutte contre le terrorisme également, elle repose sur deux piliers. Que sont aujourd'hui la réponse militaire et le dialogue? Est-ce que ces deux points, selon vous, sont en train de porter leurs fruits dans l'exemple burkinabé, c'est-à-dire la réponse militaire et le dialogue? Pas dialoguer avec les terroristes, puisque ça, c'est exclu par le gouvernement burkinabé, mais en tout cas, essayer de voir comment responsabiliser les populations. Comme Cher l'a rappelé tout à l'heure, le Burkina a aujourd'hui des exemples comme les VDP, les volontaires aujourd'hui burkinabé pour la paix, ainsi que aussi d'autres volontaires qui aident aujourd'hui les forces armées burkinabé dans le domaine des renseignements en dénonçant et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, ces deux piliers donnent les résultats escomptés selon vous? Oui, effectivement, il faut que, je peux appeler ça la communication, parce que si c'est la société civile qui en pâtit, qui souffre. Donc il faut, quand ils voient un élément qui est suspect quelque part, ils sont obligés d'alerter les autorités militaires. Et ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Mais moi, personnellement, selon la question que vous venez de poser, et de me poser autant pour moi, et c'est qu'aujourd'hui, dans un pays, s'il n'y a pas cette communication entre la société civile et les militaires, rien ne peut aller. Donc maintenant, est-ce que le Burkina seul, pourquoi nous, les Africains, nous ne pouvons pas faire comme les Occidentaux? On n'a jamais fait quelque chose d'ensemble qui a réussi en Afrique. Donc, question de dialogue là, il faut d'abord maintenant qu'il y a une compatibilité. Mais aujourd'hui, par rapport à la situation au Burkina, il y a une forme de coopération qui est développée avec d'autres pays africains et qui donne des résultats. Cher a donné tout à l'heure l'exemple du Mali, du Burkina, également de la Guinée, qui ont mis leur pouvoir ensemble pour essayer de voir comment se développer ensemble sur plusieurs points, que ce soit sur le plan économique, sur le plan sécuritaire ou dans d'autres domaines. Il y a également la Côte d'Ivoire voisine qui est en train de donner un coup de main en tout cas sur le plan militaire aussi au Burkina pour lutter contre le terrorisme. Est-ce que ce ne sont pas aussi des modèles de coopération entre pays? Oui, ces modèles de coopération, c'est ça commencer, c'est une affaire à suivre. Est-ce que ça va arriver jusqu'au bout? On a vu beaucoup d'organisations dans notre continent, ça commence à un moment donné, on ne voit plus rien. Et c'est dans ce sens-là, moi je prie Dieu que ça puisse avancer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à part des maladies qui extermine le peuple africain, mais ces phénomènes de terrorisme, c'est un grand problème que nous portons sur notre dos aujourd'hui. Donc je pense qu'aujourd'hui, on pense qu'il y a la guerre en Ukraine, et on entend comment certains pays africains disent qu'ils veulent aller combattre, alors qu'on a le problème en Afrique, il y a la RDC qui souffre, il y a le Soudan qui a été divisé, en croyant que quand on va diviser le Soudan, il y aura la paix aujourd'hui. Mais moi, mon frère, d'abord, il y a l'Union africaine, fait quoi en ce moment? Parce que tout ce que vous venez de dire, une coopération là, je vous assure, Mais est-ce qu'aujourd'hui, un dialogue ou bien des discussions avec ces groupes armés ou bien ces groupes rebelles qui sont prêts à discuter, est-ce que ça pourrait être un début de solution? Bonne question. Bonne question. Imaginez-vous, vous avez votre pays. Certains énergumènes puissent aller dans une forêt qui appartient dans votre pays, vous avez l'armée, vous ne parvenez pas à les localiser là où c'est moi je les appelle des bandits, allez les délocaliser et vous dites que vous gouvernez un pays.
Moi, je suis contre de ça, personnellement, parce que vous avez un pays que vous dirigez, vous avez l'armée, j'ai salué d'abord l'armée africaine, parce qu'ils n'ont même pas de logistique pour combattre. Ils n'en ont pas, mais ils font un effort pour faire quelque chose. Mais il est inadmissible qu'aujourd'hui, on frappe, ils rentrent, ils viennent, ils attaquent, ils rentrent, et dans le même pays, et le pays, le président est là, les ministres sont là, et on ne parvient pas à aller là où il y a ces gens-là logés. Ils logent où? Ils logent où? Ils logent dans une forêt de ces pays. Il faut dire des choses terre à terre. Tu sais, moi, je n'aime pas utiliser les gromologies. Pourquoi? Parce qu'il faut dire que, parce qu'il y a deux barrières que les Africains ont connues. Il y a d'abord nos langues, les langues là. S'il faut qu'un Camerounais ou bien parle avec un Sénégalais, il faut le français. Il n'y a pas une langue qu'on a vulgarisée pour toute l'Afrique. Et de deux, nous les intellectuels africains, quand ils arrivent sur les plateaux, ils aiment parler de gromologie pour qu'on dise qu'ils connaissent parler le français. Pour parler. Moi, ma logique, c'est de parler terre à terre pour que ceux qui n'ont pas eu la chance de faire de l'école, que ceux qui n'ont pas eu, qui sont en arrière-pays, le pont est coupé pendant 2 ans et on ne parvient pas à rétablir le pont. Parler un langage qui soit plus compréhensible au plus grand public. Je viens sur ce point que je suis Sénégalais, comme par exemple, on ne parle pas du problème sur le Sénégal. Je suis comme par exemple Camerounais, voilà le problème anglophone, et ils sont dans quelle forêt? Ils sont dans une forêt camerounaise, et aujourd'hui, et pourquoi ils sont capables d'aller déloger ces personnes? Ce qui justifie ce que vous venez de dire, c'est que ces groupes armés également, ou ces groupes rebelles, ou autres groupes terroristes, sont souvent des groupes également qui sont très bien armés et qui utilisent des moyens qui leur permettent aujourd'hui de pouvoir facilement se mouvoir à travers la nature. Par exemple, dans le Sahel, cher. On a souvent ces groupes terroristes qui utilisent les motos Jakarta et autres deux roues. Au même moment, nos armées se déplacent avec des engins lourds, ce qui n'est pas pareil aujourd'hui dans ces zones qui sont des zones assez enclavées également. Mais la situation aujourd'hui au Burkina, cher, est-ce que cela ne témoigne pas aussi des limites du G5 Sahel, l'organisation que nous avons citée tout à l'heure? Effectivement, cela témoigne des limites du G5 Sahel. On sait que la plupart, comme l'a dit mon co-débatteur, la plupart des organisations qui sont en Afrique, les systèmes qu'ils ont mis en place pour combattre pratiquement le terrorisme ou le grand banditisme, on sait que ces systèmes ne marchent plus. Par exemple, au niveau de la CEDEAO, cette force africaine, cette force en attente qui doit combattre peut-être les coups d'État et les forces terroristes, mais jusqu'à présent, on sait que cette force en attente a des problèmes pour se déployer au niveau du Sahel. Mais ce qui est important de souligner, c'est que le Sahel est une grande zone. C'est une zone qui fait des milliers et des milliers de kilomètres carrés, une zone qui regorge des richesses. On sait que ces richesses actuellement sont visées par beaucoup de chancelleries étrangères qui veulent pratiquement s'accaparer de leur part du gâteau. Donc c'est à nous Africains de nous concerter et de voir de manière structurelle comment essayer de s'adapter par rapport à ce fléau qui frappe actuellement l'Afrique. On veut transformer le Sahel en Afghanistan. On sait que maintenant, même l'Afghanistan commence à changer vraiment de paradigme. Cher Sadibou, par rapport à la nécessité de collaborer entre États, selon vous, quel rôle de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme? Effectivement, d'abord, il doit y avoir une coopération endogène et une coopération exogène. Quand je parle de coopération endogène, je veux parler au sein des États ouest africains. Donc, il nous faut mettre en place des systèmes qui vont permettre à nos gouvernants de pouvoir se réunir et de définir une politique vraiment qui va nous permettre de faire face à ce fléau-là qu'est le terrorisme. Pour la coopération internationale, on sait que les pays comme la France, les États-Unis ont eu à être confrontés à ces phénomènes-là. Les États-Unis, le septembre 2001, on se souvient, avec les attentats. Donc la France, on sait qu'il y a eu peut-être ces phénomènes-là. Mais ces pays-là peuvent peut-être nous accompagner sur le plan logistique, mais aussi avec la formation de certains. Partage d'expérience ou de bonnes pratiques également. Mais aussi l'information, parce qu'on sait que ces pays disposent de satellites d'information, de satellites militaires qui peuvent leur permettre de suivre les déplacements de ces terroristes-là. C'est ce qu'on a même constaté au Mali, où ils ont une coopération avec la Russie et d'autres pays comme la Turquie qui, au niveau informationnel, leur permettent de savoir les déplacements de ces groupuscules-là. Donc, il nous faut soit mettre en place des systèmes qui vont nous permettre de coopérer au niveau endogène, mais aussi ne pas refuser cette coopération internationale, parce que le monde d'aujourd'hui est tellement
assez ouvert au niveau international, qu'il nous faut coopérer avec la Chine, la Russie, la France et d'autres pays. Donc au-delà des questions de finances ou de logistique, c'est une façon aussi de davantage miser sur les renseignements sur le plan intérieur comme extérieur. Effectivement, surtout avec les renseignements sur le plan intérieur, mais aussi sur la logistique. Parce qu'on sait qu'en Afrique, la plupart des États ne sont pas assez dotés de matériel militaire sur le plan logistique. On n'a pas assez d'industrie militaire. Les pays qui détiennent des industries militaires en Afrique sont peut-être l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Angola, peut-être quelques pays ciblés. Donc nous sommes des acheteurs jusqu'à présent, nous achetons avec la France, la Chine, la Russie, les États-Unis. Donc nous dépendons pratiquement de ces pays-là sur le plan logistique. Et lorsqu'on dépend sur le plan logistique, cela ne vous permet pas d'être efficace sur le terrain. Donc pour être efficace sur le terrain, il faut qu'on essaie de faire un pas sur l'union sécuritaire, parce qu'il nous faut l'union sécuritaire. Parce qu'en Afrique, on a tendance à vouloir que chacun y aille de son côté, et depuis lors, on a constaté que jusqu'à présent, ces phénomènes continuent de gangréner nos États. Donc il est assez important que vraiment qu'on puisse créer ce système-là, malgré que les efforts sont en train d'être faits. Ils se rencontrent au Nigeria aujourd'hui, demain à Abidjan, pour palabrer, pour parler, mais concrètement, jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. Donc, il y a Pour ce qui est de l'armement, pour miser aujourd'hui sur l'industrie de l'armement, il faudrait aussi pour nos États, ou bien pour certains de ces États, relever un autre défi, à savoir le défi de l'accès à l'énergie, puisque l'industrialisation également demande également de relever ce défi de l'accès à l'énergie. Et M. Baba, comment la société civile et les organisations locales peuvent contribuer aujourd'hui à la lutte contre le terrorisme dans un pays comme le Burkina ? Où aujourd'hui les autorités religieuses comme coutumières aujourd'hui jouent un rôle très important. À côté d'eux également, à côté d'elles, de ces autorités, il y a aussi de fortes sociétés civiles qui militent à côté. Oui, effectivement, mais à partir de la sensibilisation concernant, donc on doit dire à nos jeunes que l'État ne peut pas satisfaire tout le monde, un. Et de deux, et que pour aimer son pays, sa nation, quelle qu'en soit la somme qu'on vient vous proposer pour semer le désordre dans votre pays, vraiment, c'est une perte totale à vie. Et de deux, de pouvoir faire en sorte qu'on s'unisse, la société puisse être unie, pour pouvoir apporter un plus, un coup de pouce avec l'armée pour combattre ce bandit. Je les appelle des bandits. Pourquoi pas? Aujourd'hui, les armes-là viennent d'où? Et de deux, qu'on dise aux jeunes africaine, aux jeunes africains, que les armées sont là pour vendre à qui? Il y a un Français qui est François Rabelais. Science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme. Donc, ce qui veut qu'on puisse, d'abord, le premier point aujourd'hui, c'est dire à la société que tout le monde, Dieu nous a envoyés sur terre, pas pour être riche, parce que même Dieu, tout le monde n'est pas riche. Donc, ce qui fait que dans ta contrée, dans ton village, dans ton pays où il y a tes parents, que quelle qu'en soit la somme qu'on vous propose, refusez. Cet appel à la jeunesse, cet appel que vous lancez à la jeunesse, est-ce que ce ne serait pas aussi une façon de miser en tout cas sur ces jeunes, sur le développement de ces jeunes, que de leur trouver des emplois et tout, une façon de prévenir l'extrémisme violent et éviter que ces jeunes ne soient endoctrinés également? Effectivement, je voulais en arriver pour que le côté de l'État qu'il puisse comprendre que aujourd'hui, s'il faut dépenser 2 milliards pour faire une campagne présidentielle, on peut s'en acheter les tracteurs amenés dans nos pays pour cultiver nos terres. Les premiers bureaux de la terre, sur terre, sont les terres. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État, comme au Burkina, il faut que l'État ne puisse pas se miser seulement pour acheter des armes. Pourquoi? Parce que ce genre-là, il crée des guerres pour qu'on puisse toujours l'argent de l'Afrique. Et puis il a parlé et aujourd'hui des dettes. Des dettes, à chaque fois nous sommes endettés jusqu'au cou, on n'a pas de force. Pourquoi? Parce que l'État en question aussi ne fait pas l'espoir. Parce qu'il y a l'argent en Afrique, nos États ont de l'argent. On voit ça quand il y a les campagnes présidentielles pour être au pouvoir. Et cet argent-là peut se permettre d'avoir des petites industries qui pourront faire en sorte que la jeunesse puisse avoir quand même un souffle de vie. Donc revient à la question de la gestion des ressources naturelles et même à des questions de bonne gouvernance dans nos États. Cher, au-delà des morts et autres conséquences aujourd'hui de cette menace terroriste, quel impact économique aujourd'hui de la présence des groupes terroristes dans un pays comme le Burkina, et comment est-ce que ce pays pourrait relever le défi? D'abord,
on sait que le Burkina, c'est le pays des hommes intègres, c'est un pays qui a toujours relevé les défis, n'importe quel défi. C'est le pays de Thomas Sankara, comme on a l'habitude de le dire. Donc nous savons que les politiques actuellement sont en train de vraiment, qui sont en train d'être mises en place par l'actuel régime du capitaine Traoré, peut-être ne vont pas à court terme, vite fait, porter le fruit, mais à long terme, peut-être dans ma pensée profonde, je pense qu'il y aura un système qui va sortir, qui va vraiment montrer à l'Afrique de l'Ouest que le Burkina est en train de faire des pas sur le développement concernant l'investissement, parce qu'on sait que l'implication des populations par rapport au développement du pays actuellement est vraiment voulue par le régime actuel. Donc sur le plan... Et selon vous, cher, quelles sont les perspectives aujourd'hui pour le Burkina dans le cadre de la lutte contre le terrorisme? Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, d'abord, pour les perspectives que l'on observe actuellement et que le Burkina à long terme va s'en sortir d'abord déjà. Je pense que le Burkina va réussir à lutter contre ce terrorisme-là, mais les politiques qui ont été mises en place à long terme pour sortir de cette crise-là sont d'abord l'enrôlement des populations. Donc à long terme, on sait que ça peut payer, mais ça va avoir aussi des conséquences sur la population, parce qu'on craint que ces armes-là finissent au niveau des communautés et qu'il existe des problèmes entre ces communautés-là. Et sortir le Burkina de cette crise que traverse le pays, un autre pays de l'Afrique de l'Ouest, cherche à sortir de la crise qu'il traverse. Il s'agit de la République de Guinée, où les organisations de la presse dénoncent des restrictions des libertés individuelles et collectives, mais également ce qu'ils appellent une violation de la liberté d'informer et des libertés d'expression. Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde et dernière partie du débrief. Bamba Soleil Baba, d'abord, quelle analyse faites-vous du combat mené par les organisations guinéennes de presse pour le respect de leurs droits par les autorités guinéennes de transition? Oui, personnellement, la liberté de la presse, c'est la vie. C'est la vie dans un pays, imaginez-vous, on ferme les télévisions, les radios et tout. Et puis rester comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc je reviens là-dessus pour dire que ce que les confrères sont en train de faire en Guinée, c'est un travail noble qu'ils puissent continuer. Et, mais je pense qu'aujourd'hui en Afrique, partout d'ailleurs, les journalistes sont menacés. Mais je pense que ce n'est pas ça qui va faire en sorte que les confrères puissent s'arrêter là. Mais je vais te dire quelque chose, c'est que le pire des despotismes, c'est le gouvernement militaire. Mais aujourd'hui, que ce soit dans une transition ou dans un régime démocratique, est-ce qu'il ne faudrait pas encadrer également cette presse-là pour qu'elle puisse mener à bien sa mission d'informer dans l'intérêt général? Puisque la presse, elle n'est pas là pour un tel pouvoir ou contre un tel pouvoir, mais elle est là surtout pour l'intérêt général, puisque la mission première aujourd'hui de cette presse ou de ces journalistes, c'est d'informer dans l'intérêt général aujourd'hui, et l'intérêt général, ce sont les populations guinéennes. Oui, mais je ne pense pas qu'il y a un journaliste qui a extrapolé. Je ne pense pas. Parce que celui qui connaît l'éthique et la déontologie journalistique, il ne peut pas aller dire n'importe quoi. Alors je pense que jusqu'à aujourd'hui, je suis du côté des confrères, ce qu'ils sont en train de faire en Guinée. Parce que, M. Daouda, il y a de ces choses qui se passent en Guinée actuellement. Il y a les pays et des pays en Afrique, franchement. Mais la Guinée, c'est de trop. Depuis la première personne qui a su gouverner un peu la Guinée, c'était Sékou Touré. Alors je pense que je reviens sur la question pour dire que la presse, vraiment, la presse en Guinée est mise en mal depuis même le régime de Koné. Et aujourd'hui, cette presse, en tout cas, tente de toujours tenir bon face à ce régime militaire ou face à ce gouvernement de transition. Et cher, pour protester contre les restrictions, ces associations de presse avaient décidé qu'aucune activité du gouvernement ne serait couverte par les journalistes, une mesure qu'ils avaient décidé même d'étendre aujourd'hui aux autres institutions et organes de la transition guinéenne. Une journée sans presse avait même été observée le mardi 23 mai, une journée qui avait aussi été soutenue par les confrères
affaires même de la presse publique, à savoir la RTG, la radio-télévision guinéenne, le boycott également de la Semaine nationale de l'information et de la communication, la CENAMIC, entre autres. Donc autant de mesures ou de décisions qui avaient été appliquées par les organisations de presse guinéennes et qui ont même contribué à ce que les autorités de transition reculent par rapport à ces restrictions-là. Que vous inspire cette unité de la presse guinéenne, ce qui a permis aujourd'hui de défendre leurs intérêts et leurs droits? Vous savez, Daouda, qu'est-ce que ça m'inspire? Tout à l'heure, j'en ai parlé avec Baba. Je lui ai dit que à chaque époque, lorsque des inégalités se présentent, il y aura des hommes et des femmes vaillants qui vont se battre contre ces inégalités-là. Et c'est ce qu'on est en train de constater en Guinée, malheureusement. On sait que ce pays a connu une trajectoire historique assez difficile. C'est le premier pays francophone à prendre son indépendance en 1958 avec Sékou Touré. Sous Sékou Touré, on a vu peut-être une dictature, certes, mais on sait que Sékou Touré avait des élans panafricains. Donc peut-être c'est le camp Boiro qu'on a utilisé pour symboliser sa dictature, mais il y a eu des exactions, ça on ne peut pas le nier. Donc, mais ce que je veux dire par là, même à cette époque, la presse, il y avait une presse guinéenne, une société guinéenne qui était en train de se battre par rapport à des dérives. Parce que qu'on glorifie Sékou Touré, c'est bien. Mais en général, ces hommes-là ont eu à commettre, comme Staline, il a commis des dérives. Malgré ça, les Russes, ils aiment Staline jusqu'à présent. Sékou Touré, il a dirigé la Guinée, il a commis des dérives. Les Guinéens, ils l'aiment jusqu'à présent. Lansana Conté, c'est la même chose. Dadis, vous avez vu ce qui s'est passé avec Dadis, avec le massacre là. Actuellement, ils sont en train d'être jugés. Ainsi de suite, jusqu'à l'arrivée de Alpha Condé, qui devait normaliser la Guinée et mettre en place des fondements qui vont permettre ce pays de décoller. Parce que la Guinée, quoi qu'on puisse dire, c'est un pays où le peuple guinéen a toujours lutté. Le peuple guinéen s'est toujours battu contre l'oppression étrangère, occidentale. Sékou Touré nous disait que nous préférons vivre dans la pauvreté que de vivre dans l'esclavage. Donc il a résumé parfaitement ce qui se passe actuellement dans ce pays-là. Et s'ils ont pu aussi réussir ce combat-là face au pouvoir de transition ou au gouvernement de transition, c'est parce qu'ils ont su également s'unir. Ils ont su maintenir cette unité de la presse. Donc, qu'est-ce que cela vous inspire aujourd'hui, cette unité notée dans la presse guinéenne qui leur a permis aujourd'hui d'arriver à relever le défi? J'ai tout à l'heure donné l'exemple de la presse même publique qui a soutenu aujourd'hui les confrères du privé durant le déroulement de ces activités-là. Effectivement, la télévision guinéenne qui est publique, qui a soutenu ces activités-là, cela vous montre que à un moment donné de l'histoire, donc la classe politique guinéenne s'est rendue compte que certes, je ne vais pas parler d'ennemis, mais qu'ils ont en face d'un homme qui ne peut pas aller vers une transition démocratique, un homme qui veut prolonger peut-être la transition. Et Baba, dans un communiqué, la haute autorité de la communication, HAC, a appelé les hommes de médias à exercer leur métier avec professionnalisme et dans le respect des limites légales, c'est-à-dire dans le respect des normes établies dans le pays, des droits et des lois et en vigueur. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette mission de régulation que mène la haute autorité de la communication entre les organisations de presse et les autorités de transition? Nous voyons des vérités aujourd'hui qui, en Afrique, l'État gouverne tout. Il n'y a plus la loi aujourd'hui en Afrique. Même quand on donne une autorité, comme par exemple cette régularisation, c'est qu'ils sont sous une pression cachée. Vous comprenez? Et ils sont obligés de menacer les journalistes. Parce que les journalistes, nous n'avons pas des avocats qui sont derrière nous pour dire que voilà, voilà. Et cette organisation-là est sous la férule de l'État. Et les raisons sont cachées. On dit que ces gens, que ce soit à la justice africaine aujourd'hui, on te prend, tu es juge, on te dit fais ça, vous êtes télécommande. Mais l'exemple de la Guinée, est-ce qu'elle ne pourrait pas aujourd'hui, ou bien le modèle guinéen, est-ce que cela ne pourrait pas servir d'exemple? Je vous donne juste un exemple. Mmh. La haute autorité de la communication en Guinée, aujourd'hui, grâce à cette instance-là, si je peux l'appeler ainsi, la Guinée a réussi à dépénaliser les délits de presse. Aujourd'hui, en Guinée, un journaliste ne va plus en prison pour délits de presse, diffamation et autres, et on ne va plus amener un journaliste devant un juge, mais c'est devant la haute autorité de la communication qui est composée de pairs, d'autres journalistes et tout, qui reçoit la plainte de la personne qui accuse le journaliste, qui convoque le journaliste pour l'entendre et essayer de voir comment trouver une solution. Est-ce que cela aussi, ce n'est pas un bon modèle ou bien une bonne, en tout cas, stratégie ou un bon exemple que l'AAC donne par rapport à d'autres pays où l'on voit encore des journalistes arrêtés ou des journalistes mis en prison pour délit de presse? Oui, quelque part, je dirais bravo pour la Guinée parce que aujourd'hui,
s'ils parviennent à faire, et si ça résiste et si ça persiste, je dirais bravo encore plus. Parce que ça commence sur, et ça commence sous le régime de la junte. Et après, est-ce que ça va continuer? Est-ce que derrière ça, en Afrique, il y a toujours le danger. Quand vous commencez à faire quelque chose, peut-être c'est visé pour un temps donné. Mais historiquement, tout à l'heure, le rappel historique fait par Cheikh a montré que de nature également, les Guinéennes, les organisations guinéennes de presse ont toujours eu aujourd'hui, ont toujours mené le combat en tout cas pour leur liberté. Que ce soit sous un régime militaire comme sous un régime démocratique, les Guinéens, surtout les organisations de la société civile comme de la presse, ont toujours su réclamer leurs droits, quel que soit le régime qu'ils ont en face. Est-ce que cela ne pourrait pas aussi donner espoir? Oui, ça donne espoir, parce que quand on vit, il y a espoir. C'est pour cela qu'ils se battent. Une presse qui assure toujours cette mission de veille par rapport à ce que les populations attendent d'elle, de cette presse-là, à savoir une information juste et impartiale. Cher vous, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de cet acte? La haute autorité de la communication et ses missions qu'elle est en train de jouer en Guinée entre les organisations de presse et également les autorités de transition. Effectivement, là, c'est une mission assez importante, on le sait. On sait que les libertés de presse, c'est des libertés consacrées. Même de manière générale, les libertés individuelles, c'est des libertés consacrées par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Si on en revient aux libertés de presse, c'est des libertés qui sont pratiquement consacrées dans nos États. Comme j'ai l'habitude de le dire, un journaliste, on ne le met pas en prison, on le dément. Si on le peut, si on a ses preuves, on le demande. Donc la prison, je pense que ce n'est pas fait pour les journalistes, parce que les journalistes, actuellement, ils participent à l'écriture de l'histoire, parce qu'à chaque... Et d'autant plus, pour confirmer ce que vous venez de dire, d'autant plus qu'il existe même des genres prévus pour ça, des démentis, des rectificatifs, des droits de réponse et tout. Il existe plein de procédés à travers lesquels une personne qui se sent diffamée peut aujourd'hui avoir son droit de réponse, son démenti, son rectificatif et autres. Effectivement, il faut que peut-être la classe politique africaine et ces fortes personnalités qui dirigent les juntes, je ne dirais même pas juntes, qui dirigent les transitions, dans, les ces transitions dans ces pays, que ce soit en Guinée ou et d'autres pays, acceptent l'autocritique. Parce qu'on est arrivé à un certain moment où les populations africaines ont compris les enjeux géostratégiques internationaux qui englobent pratiquement le continent africain. On sait que la liberté de penser, la liberté de parole, c'est des libertés définies et garanties par des organisations internationales, même au niveau interne par nos constitutions, que ce soit le Sénégal, le Cameroun, la Guinée. La constitution garantit la liberté de parole, la liberté de presse. Certes, ces organes-là ont leur code, c'est codifié par rapport à leur système, par rapport à comment ils marchent, mais cela n'empêche pas qu'on doit essayer de les restreindre par rapport à des fléaux peut-être qui touchent nos pays. Parce que lorsqu'un pays connaît une transition, donc un régime de transition, si on devait l'analyser de manière globale, c'est un régime qui cherche la paix. Donc un régime qui va donner le pouvoir à un autre civil ou d'autres personnalités qui doivent venir au pouvoir. Donc lorsque c'est un régime militaire, ce régime militaire-là doit aller vers la paix. Et comme l'avait fait avant... Lorsque Alpha Condé est arrivé au pouvoir, c'est Konaté, je pense. Le colonel Konaté. Konaté, c'est celui qui avait fait cette transition-là. Donc, de manière sereine, il a organisé des élections. De manière sereine, il a organisé des élections. Et les Guinéens ont pu voter démocratiquement. Vous voyez, la Guinée est un peuple mature. Quoi qu'on puisse dire, c'est un peuple mature. Lorsqu'on organise des élections de manière démocratique ou on fasse une transition démocratique, les civils vont donner, les militaires vont peut-être transmettre, faire le pouvoir aux civils de manière démocratique. Mais au lieu de mettre poser des pas à vouloir prolonger sa transition en muselant la presse, aujourd'hui en enfermant des journalistes demain. Donc c'est des phénomènes qu'il faut peut-être surveiller et qu'il faut dénoncer. Donc je me mets à la place de ces journalistes qui sont actuellement en Guinée, de cette société civile guinéenne-là qui est en train de combattre. Est-ce qu'il n'y a pas une autre explication, Baba, vous qui êtes journaliste, est-ce qu'il n'y a pas une autre explication aussi, à savoir le contexte de ces pays-là? C'est des pouvoirs ou bien c'est des autorités qui sont arrivées au pouvoir par coup d'État, qui trouve le pays dans une situation assez fragile. Certains de ces pays également font face à différents défis comme le terrorisme ou bien d'autres formes de menaces. Est-ce que ce ne sont pas toutes ces craintes aujourd'hui qui expliquent certaines réactions par rapport à la presse ou par rapport à une certaine société civile ou certains politiques également? Oui, effectivement. Bon, vous savez, il n'y a pas une école pour devenir président de la République, quand même. Mais quand on s'y retrouve, il y a le vertige. Et c'est ce qui se passe en Guinée. Vous comprenez? D'abord,
la personne ne s'est pas préparée. Pour, il était militaire, hein? Il était du service, militaire. Il s'est retrouvé, il y a mécontentement, il s'est retrouvé au pouvoir. Sans, excusez-moi, sans même un programme défini. Vous comprenez? Donc, c'est le désordre. Ça, j'assume le mot. Vous comprenez? C'est le désordre, ce qui fait que rien ne peut être organisé. L'objectif... Mais aujourd'hui, est-ce que les conditions ne sont pas en train d'être créées? Puisqu'on a vu que quand ils sont arrivés au pouvoir également, ils ont essayé de mettre sur pied un gouvernement déjà en place, c'est-à-dire en tout cas les différentes institutions, même si ce sont des institutions de transition, mais existent. Il y a aujourd'hui un gouvernement mis en place qui comporte des militaires et des civils. Il y a un organe de la transition qui fait office d'Assemblée nationale. Il y a également d'autres organes comme la HAC que j'ai cité tout à l'heure qui sert de régulation et autres. Est-ce qu'ils ne sont pas aussi en train de poser des actes? Et ils ont donné aussi un délai bien défini par rapport au chronogramme de la transition. Est-ce qu'ils ne sont pas aussi en train de poser des actes dans ce sens-là? Oui, mais c'est l'opposition qui les pousse à faire cela. Si ce n'était pas l'opposition, ça ne pouvait pas être ainsi. Et puis, des deux aussi, ce n'est pas palpable. Si je dis que ce n'est pas palpable, c'est pourquoi? Parce que rien n'est précis. Parce que c'est dit que peut-être l'année prochaine, ils pouvront céder les témoins, mais nous n'en sommes pas sûrs. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, cette presse a un grand travail à faire dans un pays quand il y a les problèmes. Il a dit tout à l'heure, mais j'aimerais dire ça d'une autre façon, que le journaliste, il est témoin de l'histoire, que ce soit négatif. Si aujourd'hui, le président de la République dit il n'y a pas marche, le journaliste, même si les gens ont marché ou n'ont pas marché, le journaliste est obligé d'aller voir, oui, effectivement, les gens ont fait la manifestation ou pas. Vous comprenez? Le journaliste a un grand travail, un grand pouvoir dans un pays. Alors, c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est la junte, le mot junte. C'est en Guinée, hein, si vous voulez analyser. Donc, c'est un frère, c'est un président de la République, je lui dois respect. Voilà. Donc, mais qu'il sache qu'il dirige ses mamans, ses papas. Et je ne cesserai jamais de parler de ces expressions. Parce que quand vous savez qu'une maman te porte 9 mois au ventre et vous venez au pouvoir, vous commencez à faire ce que la population ne veut pas. Parce qu'aujourd'hui, les Guinéens marchent. Les Guinéens se manifestent dans les rues de Conakry, c'est que rien ne va. Donc d'où l'intérêt aussi pour ce gouvernement de plus être à l'écoute des Guinéens, de leurs revendications et aussi de laisser à la presse de faire son travail de veille et d'information pour l'intérêt aujourd'hui des Guinéens. Et cher, on parlait tout à l'heure de restrictions. De plus en plus, on a des restrictions dans nos États, que ce soit dans la région ouest africaine ou dans d'autres régions africaines également. Par exemple, la connexion internet ainsi que l'accès aux réseaux sociaux avait été limité dans le pays, en Guinée bien sûr, ce qu'avait condamné l'association des blogueurs de Guinée qui dénonce ce qu'elle qualifie de violation de la charte même de la transition. Que pensez-vous aujourd'hui de cette nouvelle tendance des autorités africaines à couper internet dans certains pays ou bien même à restreindre l'accès à certains réseaux sociaux? L'argument avancé souvent, c'est pour lutter aujourd'hui contre les fake news ou bien le fait que des messages de haine sont véhiculés durant ces périodes ou des messages subversifs. Que pensez-vous de cette tendance qu'on observe de plus en plus? Tout d'abord, j'aimerais vous dire, Daoud, par rapport même à ça, j'aimerais faire une petite corrélation. Vous savez, vous avez lu La fin de l'histoire et le dernier homme. Donc moi, je pense qu'en Afrique de l'Ouest, on est en train d'assister à la fin de l'histoire et des derniers hommes. C'est-à-dire ces dictateurs-là qui pensent qu'ils vont restreindre Internet en coupant Internet l'information. Mais Daoud, en 88-91, au Sénégal, il n'y avait pas Internet. Et pourtant, les gens, ils communiquaient, hein. Ils sortaient manifester, ils refusaient d'être vraiment opprimés. En Guinée, c'est la même chose. En 63, pour la première présidentielle sénégalaise, il n'y avait pas Internet, il y a eu des manifestations. Il y a eu des manifestations. En 68 et d'autres dates également marquantes en 88 au Effectivement, Sénégal. C'est pourquoi je vous dis qu'on est en train d'assister à la fin de l'histoire au niveau du continent africain. Parce que ces hommes-là qui pensent qu'ils sont assez puissants et qu'ils peuvent vraiment réprimer par Internet ou par d'autres des libertés consacrées au niveau de leur pays, qui pensent qu'après ils peuvent s'en sortir, ça c'est fini. Déjà au niveau international, c'est banni. Personne ne va plus vous reconnaître et on va vous pointer du doigt. Donc si on en revient au cas guinéen, comment un pays comme la Guinée, où les hommes, les syndicats, la Guinée, moi je considère ce pays-là comme ce pays qui a montré la voie du syndicalisme, parce que Sékou Touré, il s'est toujours battu
pour vraiment l'émergence, pour le développement du travailleur africain. Donc, encadrer ces libertés plutôt que de les restreindre, surtout pour ce qui est d'Internet et des réseaux sociaux, parce que souvent, cette génération que ces dirigeants ont en place, c'est une génération Internet, une génération qui est née avec Internet, avec le numérique, et qui, même après suspension pour la plupart, arrive à trouver des voies de contournement par rapport à cette suspension ou à ces restrictions-là. Et Baba, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, pour sa part, a exprimé son inquiétude face à la récurrence des actes de restriction de l'espace civique et des libertés des citoyens, notamment la liberté de manifestation que vous avez citée tout à l'heure, la liberté de la presse, le droit à l'information. Quelle lecture aujourd'hui faites-vous, vous, de ces restrictions croissantes que l'on note en Guinée plus particulièrement et dans d'autres de nos États? Oui, c'est une affaire qu'on vit chaque jour, hein. Tu sais, en Afrique, on parle beaucoup. On parle beaucoup, mais on ne concrétise pas ce que nous disons. Vous comprenez? Ça, c'est, nous sommes à l'ère où on doit dire des vérités. Le blanc nous a dit qu'il bon, il y a une politique de parler, il y a la coopération, il y a c'est ça, le jeu des mots. Tu l'Africain aujourd'hui. Il y a certaines choses que le linge sale se lave en famille. Il faut dire que si c'est rouge, c'est rouge. Blanc, c'est blanc. C'est ça qui manque des Africains aujourd'hui et les bavardages. Parce que quand on bavarde beaucoup... Retourner aux réalités endogènes africaines ou bien aux mécanismes endogènes africains. Oui, moi je veux que tout le monde puisse entendre. Qu'il ne faudrait pas aussi, au lieu de retourner seulement à ces réalités africaines, puisque tout également dans ce qu'on nous apporte de l'extérieur n'est pas mauvais, est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui faire ce que le président poète Léopold Sédar Senghor appelait l'enracinement et l'ouverture, s'enraciner par rapport à nos réalités africaines, mais s'ouvrir à l'extérieur et prendre ce qu'il y a de bon également par rapport à l'extérieur. Effectivement, on ne ferme pas la porte à quelqu'un dans la vie. Vous savez, les coutumes et tout, donc ils en ont besoin de nous et c'est les mêmes que nous aussi. Enfin, maintenant, sur les plusieurs organisations qu'on parle en Afrique, l'Union africaine, si c'est là, comme vous venez de citer pour la Guinée, je pense que c'est seulement parler pour concrétiser tout ça là. C'est une difficulté pour les Africains. Ça, vraiment, je l'ai dit tantôt. Mais maintenant, il y a des individus qui pourront faire un effort, mais ils seront mal vus face aux autres. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes un jeune qui cherche du travail, on vous prend au ministère, vous trouvez le vieux qui vient, il vient à 9h, toi tu viens à 7h, 8h, tu travailles, ils vont te critiquer, alors que toi tu es dans la bonne voie. Et c'est ce qui se passe en Guinée, et c'est ce qui se passe en Afrique. Donc c'est pour dire que toutes ces organisations que vous êtes en train de parler, je prie Dieu que ça puisse avancer. Donc, mettre en avant plus de pratiques et moins de théories, comme si je vous ai bien compris. Et cher, pour un climat sociopolitique apaisé en Guinée, ne faudrait-il pas davantage miser aussi sur un cadre de dialogue inclusif et consensuel entre le CNRD et les autres acteurs aussi, sociopolitiques, une façon aujourd'hui de permettre de maintenir un dialogue permanent, que ce soit entre le CNRD et la presse, entre le CNRD et les politiques, entre le CNRD également et la société civile? Pourtant, ce cadre de dialogue existe, mais ce que j'ai toujours l'habitude de dire, c'est la sincérité. Mais un problème de confiance, voilà, allez-y. La sincérité des acteurs qui va pratiquement entourent ce cadre de dialogue-là. Parce qu'on sait que la classe politique guinéenne, la société civile guinéenne, en les entendre, en les écoutant, en les lisant, on sait très bien qu'ils veulent aller vers vraiment la normalité. Mais ce que l'on ne comprend pas, c'est que le régime militaire actuellement qui est au pouvoir cherche à trouver des voies de sortie, comme je l'ai dit tantôt, pour essayer de prolonger la transition. Et c'est cela que, vraiment, la société civile n'accepte pas. De ce fait, c'est pourquoi je vous parle de sincérité de ces acteurs-là. Donc, du côté du pouvoir, que ça soit du côté aussi de l'opposition. Du côté de l'opposition, lorsqu'on... Aujourd'hui, cher, puisque la durée est déjà connue, la durée de la transition et sa fin, est-ce qu'aujourd'hui, si les autorités de la transition présentaient un chronogramme clair, puisque c'est ce que demandent les politiques comme la société civile guinéenne, est-ce que s'ils présentaient un chronogramme clair de la transition et de ce qu'ils veulent faire, cela ne pourrait pas être un pas important par rapport à cette confiance-là et cette sincérité des acteurs? C'est effectivement là où je voulais en venir. Avec ce chronogramme-là par rapport à la durée de la transition. Mais Daoud, on sait pertinemment que les régimes militaires sont toujours instables.
On peut aller jusque pratiquement à la fin de la transition, ils vont changer et nous apporter, comme par magie, une autre voie de sortie pour avoir une autre transition. On ne sait jamais. En fait, ces régimes ne sont jamais stables sur le côté administratif par rapport à ce genre de phénomène-là concernant la transition. C'est pourquoi moi, personnellement, jusqu'à présent, je n'ai pas encore assez confiance par rapport à cette transition-là. Donc, je pense que le combat qui est en train de mener la classe politique, la société civile guinéenne, est un combat noble, un combat qui est mené au Sénégal, au Cameroun, partout dans nos pays africains. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on assiste à une tournure, c'est-à-dire l'histoire est en train de changer, une nouvelle page est en train de voir le jour. Il faut que l'on accepte, il faut que l'on soit des gentlemen pour accepter que l'Afrique doit changer, que l'Afrique doit aller vers d'autres lendemains, les lendemains. Une nouvelle page s'écrit dans l'histoire africaine pour que l'Afrique ait des lendemains meilleurs. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup à M. Cheikh Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Merci Daouda, ça a été un plaisir avec mon co-débatteur Bamba. Merci. Merci également à M. Bamba Soleil Baba, journaliste également responsable de la plateforme d'information Top Kilo News. Ça a aussi été un plaisir de partager le plateau avec vous. Merci. Merci mon frère. Merci beaucoup africain. Mon frère. Merci beaucoup mon frère africain. Merci également aux frères africains qui gèrent la technique et qui ont assuré la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.